Alors, sergent, c'est qui le pansement? Laissez-moi vous présenter votre nouvel infirmier, le soldat Harold Keller. T'étais basé où avant, Keller? À Fort Campbell. Campbell? Putain, pas un autre bleu! Mon Dieu, sergent, vous espérez qu'on va se trimballer dans la jungle avec un putain de puceau comme infirmier? Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et The Fireflav, le retour du Fire. Bonjour, bonjour. Le retour. Le Fire est toujours en moi, surtout quand on joue à Conflict Vietnam. Le feu ne s'est pas éteint, Fireflav est de retour. Et on va continuer pour cette deuxième partie de Conflict Vietnam sur PlayStation 2. La seule console qui ne vous décevra pas. Tout à fait. Mais pas deux. Et ça commence très bien. Nous avons ouvert la fente 1 de la memory card pour charger notre partie de Conflict Vietnam. C'est la deuxième partie de Conflict Vietnam, Oliver? Ah voilà. Oui, c'est la deuxième partie de ce jeu épique, historique, où on se balade avec un puceau. Oui, ou plusieurs. Ça dépend quelle section on contrôle, bien sûr. Bien sûr. Enfin, j'y connais rien, je... Un médecin puceau. Au moins, c'est ça, c'est déjà le début. Les chargements sont assez longs, même s'ils sont quand même, un peu moins longs que dans Red Man 2. Voilà. Mais on peut comprendre en visionnant les graphismes. Alors, là, c'est quand on avait entendu la voix de Patrick Bourne à la fin. Et pourquoi j'arrive pas à avancer? Hein? J'arrive pas à avancer mon petit personnage. Parce que t'es à plat ventre. Ah oui. Et comment, attends. Attends, par contre, je sais même plus les touches pour... Allez, c'est rond. En position. Ah, c'est toi qui dirige le... Ah ouais. Le puceau. C'est qui le puceau? C'est toi qui dirige le puceau. Mais c'est qui le puceau? C'est Cherry. Ah oui, Cherry. Cherry. Mais j'arrive pas à avancer. Oh, regarde. Sérieusement? Faut peut-être faire plus. Bon, faut vous débrancher et rebrancher. Ah, ok. Merde! On nous tire dessus! T'excites pas! La PS2, qui fonctionne très bien. Aucune manette analogique, d'accord. Ça sent cramé. Mes pouces. On a eu un petit problème technique. Voilà, tant que c'est technique, ça va. Voilà. On continue dans cette magnifique jungle au Vietnam. Et moi il me semble, non, moi je m'appelle Junior. Je suis Junior, je dirais Junior. Oui, t'as le Junior soldat, noir. Oui, mais on peut diriger deux. Ah persos. Oui, d'accord, ah ouais. Ah oui, Ross, là j'ai Cherry. Ross, le barbu avec le casque. Et Ragman, c'est le chef de l'équipe. Ok. Alors on est 4 cassos dans la jungle vietnamienne. J'espère que ça va bien se passer. Non, on s'est fait tirer dessus avant, mais par je sais pas qui. Ça doit être les rebelles vietnamiens. Ouais, voilà, mais. Ils ont disparu tout d'un coup. Mais toi et moi, nous faisons équipe avec nos deux personnages respectifs. Et oui, sinon on ne fera pas ce let's play ensemble. Il y a un crapé, hein. Oula. Ah non, c'est Fireflav. Fireflav qui est paumé, qui court partout. Ah, on peut ramasser un fusil qui est par terre. Ah non, échanger. Patate. Ah bah c'est Patrick Bourne. Et comment je dis à mon copain de me suivre? Ne tue pas. Il faut faire L1 et croix. Ok.
Bon, le papy là. Pitié, il y a des Viet Cong là-bas, ne me tue pas. Il fait quoi? Il fait semblant d'être crevé. Ouais. Ah oui, d'accord, quand il y a les deux petits cheveux, ça veut dire que le votre allié vous suit. Tout à fait. Comme quoi j'ai une intelligence hors du commun, débordante d'énergie. Une intelligence incroyable. Oh, c'est le bordel. Et là, je n'aperçois plus mon... Ah si, il est un peu lent. Il va être touché, oui. Vous pouvez le voir, Oliver Pressman ne m'attend pas pour lancer ses offensives. Parce que tu es trop lent. Comment se soigne les Wiggy déjà? 6 trousses de sang, mais c'est vrai. Et tu viens à côté, mon pote. On peut se soigner tous les deux si tu veux. C'est bon, j'ai tué 2 Viet Cong, alors que je sais pas où est mon Black. Aïe. Oh, ils ont fait une animation quand on soigne. C'est une évolution. Donc, et regardez, Disaster, moi... il n'y avait pas ça. Oh merde, c'est quoi ce bordel? Ne crève pas. Hein. Thierry est déjà bien. Mais arrête de mettre. Ça met à chaque fois échangé avec notre pote Os là. Qui va se faire Os. Il va se faire OS. One shot. Pansement de campagne. Je vais le donner à mon pote. Pour ça. C'est bizarre, ça me semblait pas comme ça quand on jouait l'autre fois. On est passé dans un autre passage, c'est peut-être pas linéaire, après tout. Mais c'est un open world. C'est un open world. C'est encore plus open world que The Witcher 3. Parce que là, on peut tuer des innocents. Oui, mais ça me dans plaît. The Witcher ça 3, on peut pas. Là, j'espère que Junior va me suivre. Ah, faut suivre la boussole. Et comme vous pouvez le voir, je suis un peu blessé. Oui, tu peux te soigner en faisant triangle. Et tu choisis ton truc, trousse de soins en bas, et voilà. Après, t'en as 16, toi, mais oui. Ah, mais en même temps, t'es le médecin de l'équipe. Et comment je fais pour les utiliser? R1, ah, oui. Comme si tu tirais. Ok. Ouais. En fait, je pense qu'il se met sur un lit. Merde. Oh, oh, ce bruit de fusil, c'est magnifique. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas mourir. Mais la vie, c'est comme ça. Oncle Sam. Soldat Ryan. Qu'est-ce qui se passe? Ah là, c'est la guerre. Mais pourquoi on n'est jamais ensemble là? Je comprends pas. Ah, c'est bizarre. En fait, peut-être qu'on est dans une autre section, juste là. Il est pas si linéaire que ça. Mort enculé, ah oui. Mais le dialogue est vraiment cru, hein. Ouais, vraiment. Je crois que ça va continuer comme ça. En même temps, il va pas dire... meurs, mon fils de chien. Mon chéri, ou... Merde, si, meurs, chéri, meurs. C'est pour ton bien. Le nom de ton pote. Chérie. Tu sais que tu peux le soigner avec une trousse de soin. Ouais, mais chérie vient de mourir. Ah, tu peux le soigner après. Bah, je sais pas où il est. Et là, je suis en train de décéder moi aussi. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas qui c'est qui m'attaque. Attends, ça me dit que t'es par là. Ah, t'es là. Il y a une andouille qui court comme un con là. Ouais, c'est... Ah, c'est celui qui te canarde. Bon, bah, les deux sont morts. Il est où l'autre méchant là? Tu peux me soigner moi? Ouais. J'ai trop fumé. Vous êtes où? Merde. On est. Il y en a un qui est par terre, la gueule dans la terre, et l'autre il est sur une plateforme en bois. Merci Fireflame. Par là ouais non c'est là non c'est pas là c'est du jeûner là.
Ouais, c'est un labyrinthe ce mec. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ta gueule plusieurs fois? Non. Ouais, passe dans le tunnel là, je suis pas loin après. Enfin, quelques kilomètres après. Quelques kilomètres? Par là, là? Ça te dit quelque chose là? Ouais. Mais comme tous les endroits se ressemblent dans ce jeu, ouais, c'est vrai. Merde. Si t'as os de jouer, c'est. Putain, il va se faire OS. C'est le seul espoir. Il va se faire OS. C'est le héros américain. Ouais, surtout qu'il a le casque quand même. Un symbole. Quoi, et pourquoi il l'a pas soigné? En fait, ouais, là, j'ai deux personnages qui sont en train de crever. Ouais, on le voit ça. Mais c'est pas lui. Ah non, attends, il était avant. Il était avant. Merde, donc, pote. C'est lui. Ah, il est là. Merde, c'est pas possible. Pourquoi il me remet l'arme? Il a dit quoi? Lopette, c'est une éraflure. Normal. Bah, je veux pas un couteau, moi. Parce qu'on peut les tuer en un coup avec un couteau. Moi. Je pense que Chéri rend ses derniers souffles de puceau. Il tente de l'aider. Il part là, Chéri. Oh putain. Le médecin de l'équipe va mourir. ça sera un peu con là. Et ouais, c'est la fin. Voilà, Chéri a été tué. Échec de la mission. Merci Fireflash. Ah ouais, il y a quand même un espèce de petit script parce qu'il y a des missions. Bon bah on va redémarrer. Ouais. Pour le plaisir. Mais cette fois j'aimerais bien qu'on se suive ou qu'on. Qu'on soit ensemble. Quoi? Qu'on soit qu'on, à côté. Qu'on concentre les forces pour vaincre nos ennemis, les yeux bridés. Et que le puceau ne soit pas seul, sinon il va se faire défoncer. Ouais. Le 26 janvier 1968. Bien sûr, on l'a déjà vu ça. Allez, go. Mais là, on est vraiment dans la première mission ou... C'est la deuxième mission. Enfin, ouais. la première mission, c'était l'entraînement, quoi, en gros. Il y a 14 missions en tout. 14 missions passionnantes. Il fait quoi, lui? Ah, mais c'est celui qui est avec moi. Vous venez, les fillettes? Firefly n'avance pas. Comment on fait pour qu'il nous suive le... Je m'en peux plus. R. Croix. Voilà, merci. Ah, là tu leur as mis feu à volonté en plus. Bon, tant pis. Ils vont plus tirer sinon. Moi aussi je le fais. Ne le tue pas. Putain, mais les bras qu'il a. Faut pas le tuer, faut pas le tuer. Écoutez, on va l'entendre jouir. Faut pas le tuer, je vais le tuer. Ouais, c'est pour mon expérience. C'est qui dit merde? Comment on fait pour courir? Bah, déjà, c'est parce que t'es à moitié accroupi là. Donc faut faire rond. Ah ouais, bon. Je sais pas où est Junior. Ah, Junior. C'est mon copain. J'ai peur que je lui ai demandé plus d'utiliser ses armes de poing. Junior. Je sais pas si c'est possible ça. Si, je pense. Merde. Bah, dans Desert Storm, tu pouvais demander n'importe quelle arme. Enfin, n'importe quel truc. Même les trousses de soins. En fait, R1, c'est pour donner des ordres, quoi. Antoine, on tient notre position! La main enculée! Fils de chienne! Oui, c'est à droite, Firefly, à droite, à gauche. Là, là? Ouais, c'est par là. Je pense. Ah bah, il y a déjà des... Ah bah non, c'est pas pareil. Ça ressemble tellement. Mais il y a des trucs sympas. Des armes, quoi. Voilà. Des pansements. Pansements de campagne. Et là, c'est parfait, t'es ok. Voilà.
Ah oui, je vous aperçois. Mais... mes petites lopettes à moi! Fausse alerte, fausse alerte! Ah non! Ah, pour ça! C'était pas une fausse alerte, c'est le bordel! C'est la guerre! Je pense. Contre le terrorisme vietnamien. Heureusement qu'il y a une cible automatique. Merde, je suis en train de me faire. Bah oui, je pense. C'est indispensable. Je vais prendre Junior parce que je suis en train de me faire. Merde, il est mort. Oh, ma terre! Faut que j'aille sauver Chéri, le médecin d'équipe, le puceau du régiment. Merde, bon bah on est tous les deux morts. Putain, il y a un point rouge là, voilà c'est ça. Je vais te sauver, puceau! C'est pas le moment de saigner, soldat! C'est le moment de se battre! Pour votre patrie! Pour. La nation! Faut que j'aille sauver Junior maintenant, mais je sais pas. Eh bah, il est à côté de vous là? Ouais. Je le cherche. Ouais. Que... ah, il est là. Le problème, c'est qu'il est noir, là. On voit pas trop avec le sol. Oh la blague! Ouais. Fireflav en forme. Firestar. Ah là, c'est. Là, attention, c'est le. C'est leur base, là. Leur campement. J'adore ce jeu. Ouais. Jour. Ouais. Bon, ouais. Attaque! Ah, c'est où il y a la fille, là. Merde. Qu'est-ce que tu fais? C'est où il y a le papy-fille. Le papy qui ressemble à une fillette. Ouais, mais avec les cibles automatiques, c'est que ça vise à n'importe quel moment. Ça vise les ennemis derrière les murs. C'est pas toujours très judicieux. Et ils sont où nos potes? Il y en a déjà un de mort. Junior, ouais. Non mais non, je vais pas mourir. Mais si. C'est le bordel. J'adore ce jeu. Regardez, il y a des petits poulets qui se baladent. C'est vraiment le souci du détail. C'est beau. Je te soigne. Qu'est-ce qu'il va faire que je cherche Junior? Oh là là, le jeu il rame. Il va la coup de main, mes potes. Sauf qu'il y a personne. Je sais pas si on a des bonus si on tue les poulets. C'est le bordel ce jeu. En fait, faut que je trouve Junior, mon copain. Mais je pense que les ennemis ils apparaissent comme ça. Je le trouve, mais je sais pas. Il est juste derrière toi. Ah oui. C'était magnifique. Non! Ne me tue pas, toi. Il faut encore que j'utilise une trousse de soins. Je sais pas où ils sont, les autres jaunes, là. Magnifique. C'est bon. Il y a des snipers, sérieux? Parce que c'est une blague. On n'aura plus de trousse de soins là, c'est pas possible. Y'en a qui a un peur là. Oh là, la vue FPS! La vue FPS! Ça donne des frissons. Attention, Viet Cong! Ils arrivent! Personne. C'est pas là où on venait d'entrer? Non, non. Oh, je sais pas. Ah si. Ah si, ouais. Oh, je vais encore me soigner. On peut appeler ça un château vietnamien. Tout à fait. Attends, est-ce qu'on peut sauvegarder au moins? Parce que là, on est plutôt bien parti. Sachant qu'on peut sauvegarder que, je crois, deux fois ou trois. Ouais. Pendant une mission. Une mission top secrète. Voilà, deux sauvegardes restantes.
C'est parti. Et maintenant, je... faut trouver la fille, non? Je sais. Non, mais la fille, tu l'as tuée, je crois. Ah oui. Enfin, le papy qui ressemble à une fille. Bon, je, vais en profiter pour me souvenir. Oh oui! Allez, pense-moi. Mon dieu. Moi, je t'attends, côté de la porte. Ok. Chérie a toute sa vie. Vous pouvez faire une pause pipi. Nous sommes à 17 minutes, mais sachant qu'on a eu la coupure au début, donc on est à peu près à 19 minutes. Quel est ton ressenti, Fireflav, de ce début? La première chose que je vois, c'est que... Pour l'instant, je suis perdu, mais... C'est vraiment un jeu jouissif, parce qu'on interagit avec ces deux personnages, mais en même temps, on interagit aussi avec une autre personne. Mais oui, c'est incroyable. Une évolution. Voilà. C'est une évolution dans les FPS. Le seul problème, c'est que ce TPS, c'est pas un FPS, c'est un TPS. Et ça veut dire quoi? C'est parce que c'est la troisième personne. Ah oui. Third de personne shooter. Mais on peut être aussi en first. Oui, first person, c'est FPS. Ouais. Et ouais. Comme ça. Sauf qu'on a moins de trucs. On peut pas soigner, je crois. Non. Ah si. Et vous êtes où là exactement? Eh bien, je suis à côté d'une porte. Bah, tu suis la flèche blanche et voilà. Ouais. Vous êtes dans le bâtiment. Après, tu tournes à gauche. C'est le GPS. Hein. Vous êtes pas arrivé. Vous êtes perdu. Comment faire? Allez vers les coordonnées XY 500 000. Ouais, c'est bon. Normalement, Junior m'a suivi. Attention, c'est bien. Pam 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 pam. Attention! Putain, mais. Chéri, là, tu te mets devant mon. C'est moi le patron. Ma ligne de mire, là, qu'est-ce que tu fous? C'est moi le puceau, c'est moi le patron. Ah, allez, ils arrivent. Voilà. Je sais pas si pour moi. Là, voilà. On va jouer en équipe, ok? Bâtard! Limonade! J'ai compris ça. Non, c'est patate, non? Pourquoi j'arrive pas à sauter là? Il y en a un qui a dit patate, après j'ai compris limonade. Quelle réponse incroyable! J'ai touché par quoi là? Putain, il est blessé. Putain, j'arrive pas à sauter, c'est fou ça. Il s'est pris un sniper en pleine gueule. Une balle de sniper. Ça a bien fait mal. Comment tu fais pour sauter? On peut pas sauter. Bah, je suis bloqué. Bah, faut pas aller là. Ah ouais. Putain, mais arrête de gueuler. Patrick Bourne, là, il fait que de gueuler. Mais c'est pas vrai, on n'arrive pas à les avoir. Je sais pas si j'ai touché. Bon, allez, c'est bon. On arrête le combat d'infirme là. C'est parti. Ah ouais, c'est d'accord. Part. C'est le tunnel. Le tunnel de la N64. Bon, moi il s'est barré. Bon, et puis l'autre là, faut qu'il se soigne. Parce qu'il commence à marcher comme un handicapé un peu là. Voilà. J'ai pas encore utilisé une seule grenade. En fait, avec mon copain, on est perdu. Ah. En fait, c'est plus une randonnée pour nous que une vraie. Oh purée, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Okay. Je regardais ton écran et j'ai eu peur. Ah bah, je suis revenu. J'ai pas une meilleure arme. Fusil, coup par coup. Attention. Waouh! Quel effet incroyable! Ouais, bon, ils sont à chaque fois loin, donc je préfère prendre. Le fusil d'assaut. Le bon vieux fusil d'assaut. Je marche tranquillement.
Dieu. Mon Dieu. Bien tiré, mec. Eh ouais, mec. Les vieilles balles jaunes. Allez, je vous ai rejoint enfin. Attention, dans cet endroit qui ressemble à Minecraft, faut pas se faire surprendre. Je pense qu'ils sont trompés, ils ont mis des bâtiments mexicains en vie pleine. Sac canard. Je sais pas si on a des patates là. Oh, des grenades. Oh. Je vais le faire tuer. Ah mais c'est ce vieux con là qui. Purée, il y en a d'autres partout. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je ne comprends plus rien, je ne contrôle plus rien, je suis mort. Et il est là. Et Fireflame. C'est bon. Je vais prendre Chéri, il est mieux. Hop. Junior. C'est pardon. Junior. Il y a tellement de fumée qu'on y voit. Ah ouais, il tire en l'air, je sais pas ce qu'il fume. Ah. Merde. Ah, je pense que la mission est en train de se terminer. Ils sont trop nombreux. Et voilà. C'est quoi ce jeu de bouse? Voilà. C'est une attaque de fou et en plus il tire en l'air. On comprend pas, il. C'est fou. C'est incroyable. C'est conflict viet. Cette vidéo est incroyable, on n'avance pas. Vous avez eu autant de mal comme ça, Oliver Plasma, lors de votre première partie? Bah c'était l'entraînement, donc je mens. Ah oui, c'était l'entraînement du puceau que j'avais vu là. Ouais. On est dans le camion et tout là. Ouais. Ouais. Qu'à la fin ils étaient paumés comme des cons. Et que. J'adore ce jeu. J'ai l'impression qu'on recommence tout là. Non, on est après le pont là. Ah non. On est au début. Ah bah peut-être que j'avais pas sauvegardé en fait, j'ai pas trop regardé avant. Ok. Bon ma chère téléspectateur, vous allez voir deux fois la même chose. Si on fait sauvegarder. Plus qu'une sauvegarde restante. C'est quoi cette blague? J'avais pourtant tant chargé les parties. Mon Dieu. Je ne comprends plus rien. On va pas mettre en moyen parce qu'il paraît, il est super chaud en moyen. On va mettre en facile. Là on est en moyen? Oui. On va rester. D'accord. Si tu veux, fail encore. C'est notre destinée. Ah. J'adore ce magnifique bug à chaque fois qu'on change. Temps de chargement. Continuez. On revient ici. Maintenant, c'est le début. C'est quoi ce bug? Non, on est au début. C'est de la merde ce jeu. Ça veut pas sauvegarder comme je veux. Putain, dans Desert Storm ça sauvegardait bien. Enfin même si au bout de 3 sauvegardes après la même carte mémoire elle vous laisse formater. J'aime bien le petit son d'ambiance. Ouais. Ça fait un peu méditerranéen. C'est vrai. C'est bon. Non, ça fait jamais. Ça fait jamais. Piqûre de moustique. Ah bah ici, il y a ça. Allah Jack. Ah, ou alors non, en fait la sauvegarde a bien marché, c'est que ça se ressemble tellement de partout, je suis paumé. Voilà. Merde. Est-ce que les tiramis sont acceptés? Oui, je pense que. Ouais. Non, je pense qu'on peut pas se toucher. Ah oui. Manque de réalisme. Heureusement. Dans un jeu comme ça, je pense que c'est heureusement. Ouais. Je me balade dans la flotte. À la recherche d'un nouveau Vietnamien. À trucider. Pourquoi mon personnage il clignote? Ah non, c'est. Il clignotait? Oui. Comme sur NES? Non, comme sur PlayStation. J'ai l'impression que je reviens au début. Fichtre. Ce let's play il va être palpitant. En plus, j'en ai vu pas mal qui disaient qu'on peut se perdre très facilement dans le jeu. Et que en moyen il est presque impossible.
J'ai très bien choisi de mettre en mouillé. En fait, je suis revenu au début. Ah. Je pense que j'ai vu ton homme, House, avec moi, quand même. Ah. Non, désolé. Mais il est juste à côté de moi. Ah. Donc ça va. Comme quoi, il faut jamais suivre les cons. Ouais, ouais. Comme dans la vidéo, je me souviens. Une magnifique vidéo test à l'arrache. On a vraiment des beaux secs derrière Ronaldo. Hein. Très bien pixelé. Mais il crève ou pas lui? Visez droit devant! C'est très bon conseil, hein, je trouve. Purée, mais je me fais trucider. Putain de ta mère! Il crève ou pas lui? Le citron là. Non. C'est raciste que t'as dit. C'est vrai. J'aime pas trop. Oh, il s'est soigné, incroyable. Lia n'est pas si moisi. Ah, il s'est soigné tout seul. Ouais, mais Os s'est soigné tout seul. L'ennemi? Non, Os. Ah bon? Une belle preuve de maturité. De Lia, bien sûr. Continuons, soldat. La victoire est au bout du fusil. Oh, le jeu est super fluide d'un coup, là. Je sais pas si je suis au bon endroit. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas, Firefly. Je... Ah bah si. Je suis complètement perdu. Je suis encerclé, je suis mort. Ah bah ouais. Bon bah, Cherry, il est tombé. Tombé au combat. Nous enverrons sa tête à sa famille. Sion. Ben c'est fou ça. Quand ils sont perchés, les Vietnamiens, ils sont imbattables. Et il loue Junior là. Ah oui, il nous fait sa danse par terre. C'est parti là. Non, Cherry. Cherry, je veux dire. Cherry. Et il soigne ou pas, lui? Je vais te soigner deux fois, ouais. C'est magnifique. C'est bon. Hein? Cherries to love. Ouais. Je veux pas crever! Pas. C'est quoi ce dialogue? Ah non. Oula. Ah là c'est chaud. Bon, tout là-bas. Bonne nuit Charlie. Voilà. Ce jeu a prédit l'avenir. Je suis Charlie. Oui. Je suis prêt à ouvrir. Ouais, non. Ah, il y a des pansements par terre. Les sauvegardes ont un peu marché, je pense. Merde. Non, on tue pas les civils. T'as tué un civil. Je sais pas si... Si c'est bien ou pas bien. Attention, on tue pas les civils. Merde, t'es fou, t'as tué un civil. Tu t'apprends. Tu t'en voudras toute ta vie. Tu pourras plus dormir. Ouais, personne. Pourquoi il me tire dessus? C'est non, pas grave. Non, je m'excitais parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un dans le coin. Là-haut, mais il n'y a rien là-haut. Moi j'avance dans le niveau. Hein, c'est... Ouais. Il reste des WC dans ce secteur. C'est quoi des WC? Des Vietnam. Ah oui. Des Vietnamiens. Je sais pas. Des Vietnam. Des vieux cons. Ouais. Vieux cons. Hein. Ah,
pas pourquoi il tire en l'air. Allez, si. Il tire en l'air, mais il nous touche quand même, donc c'est un peu chelou. Non, mais mon copain noir tire en l'air. Il va falloir toutes nos forces là. Vous êtes un soldat de pied ferme. C'est bien. Il n'arrête pas de me caresser. Les dialogues, ils sont vraiment géniaux quand même. Ils sont vraiment géniaux. Ah non, il y en a trop là. Chéris. Non. Je me retire. Viens, mon copain. J'en ai tué un qui était dessus tous les deux. J'en ai tué un qui était tout en haut. Allez. Courage. Attends, je regarde si j'ai des bombes. Des grenades. Ça, je trouve. Je suis pas bon. Sauvez le village! Come to me, Oliver. Je t'attends? Ouais. Je suis à la recherche de la fin du. Voilà. Alors voilà, tous les deux, on va attendre, Junior et moi. On va attendre nos copains. Ouais. On va se faire connaissance. En attendant, on va bavarder. Je pense que c'est pas. Arrête de dire ça. Sion. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. Non, c'est une mine. C'est une mine. Ah, je suis presque sûr. Mais en fait, quand tu y vas pour la première fois, c'est difficile d'être bon, quoi. Putain, c'est un piège à la infogramme style, là. Mais c'est pire que ça, c'est trop fourbe pour être humain. C'est... Non mais Infogramme est très fourbe. Non, mais je voulais pas soigner encore toi. Voilà. Et il a plus de trousse de soins. J'ai un fly. Ne m'obligez pas à tirer. Merde, j'ai pas le couteau, moi. Je vais dire à mon pote de venir. Ah, des écueurs, vite con. On vous a eu. Je pense que les Américains et les Viécons, ils ont les mêmes armes. C'est pas très... Ah non. Ils ont des armes plus rudimentaires. Oh, purée. Ouais, celui-là, c'est chaud. Voilà, faut qu'on réfléchisse, qu'on établisse une stratégie. Bah, on va déjà sauvegarder, là. C'est très important, les sauvegardes, ouais. Firefly. Même si ça marche pas, c'est quelle important. Quelle saga. J'espère qu'on va vraiment réussir à passer le niveau de la ruine Viet Cong. Oui. Sauvegarde en tout, on ne réussira pas la carte noire. La sauvegarde ne va pas marcher. Bon. Sauvegarde terminée. Vous pouvez reprendre la partie. Et je pense qu'on va y aller. On va faire un assaut groupé. Hein. Attends, faut déjà que je soigne mon pote là, qui se barre. Voilà. Faut que je lui dise de venir. Ou alors non, on laisse un de nos soldats ici. Hein, si jamais il y a des morts. Ah oui, c'est tant mieux. Je sais pas. Ah ouais. On va Comment on dit de rester ici? C'est R1 et triangle. Voilà. Bonne chance. Il est toujours pas mort celui du haut là? Ouais, c'est possible, je pense. Il s'est pris 20 balles et il est pas mort. C'est un char d'assaut. Ouvrez-moi! Ah non, ils sont trop loin. Ils vont se faire avaler. Ah non, mais faut rester derrière le mur là. Non, mais faut avancer un petit peu. Non, mais t'en tues petit à petit, et puis après tu peux avancer tranquille. Mais tu sais, la visée elle est pas top. La visée c'est. Là, je suis derrière un mur et j'arrive pas à aller. Putain. Pourquoi ils sont loin? C'est un début.
J'aime vraiment ce jeu. Ce jeu est incroyable. Mais oui. Je m'entendais que ce soit quand même un peu mieux. Non. Il n'y a pas mieux, c'est le pied. Ah, parce que... J'en ai les orteils qui frémissent. Desert Storm 1 est tellement à des années-lumière devant. Ah, regardez, ils ont un... Merde. Ils avaient une espèce de mitrailleuse. Ah, je suis encore mort. Bon, bah, on prend les autres, là. Merde. Merde, on se tire dessus. Putain. Les crèves. Voilà, c'est bon. Je pense qu'ils arrivent petit à petit, ils recherchent les ennemis. Ils recherchent les ennemis. C'est fou ça. Ils repop quoi. Ils repop. Ouais. Plutôt bien. Quoi, il y en a encore là? Enfin, plutôt. Les crèves! Ah ouais? Yes, il est mort. J'ai une énorme. Ah merde, il a pas de. Merde. Oh putain! Non, mais c'est quoi ce jeu? Ils sont en haut. Il y en a qui sont en haut. Mais là, je pense que je suis mort aussi. Oh! Là, c'est rien. Ouais. Je vais me faire avoir quand même. Parce que je sais pas où ils sont, les mecs. Il y en a un à côté de moi. Ouais, il est mort. Faut rester. Ce qui est chiant, c'est que c'est tellement précisé qu'on distingue pas. Il y en a où il y a les visées automatiques. Mais... Il y a encore un qui pop là-haut. Je sais pas où ils sont. Non, mais il pop à l'infini, hein, c'est pas possible. Je pense que je vais descendre. Ah, il y a un hélicoptère. C'est scripté, il y a du script. Je crois que l'hélicoptère c'est la fin en plus. Hein. Parce que t'as le point blanc. Mort. Putain! On n'y était pas, je crois qu'on était presque à la fin en fait. Je pense qu'on va mettre le mode facile. Ouais, parce que c'est un peu impossible. Hein. On va peut-être finir cette partie. Écoutez. Oui. C'est que la vie. Et on est à déjà... moins qu'on reprenne la sauvegarde assez loin. Ou à moins que juste on freine la partie 3, ça sera en facile et on fera cette mission. La partie 3. Ouais. Oui. Parce que là, ça commence à faire, hein, 42 minutes. Ouais. Et voilà. Et on a fait que de la merde. Tout à fait. Mais c'est normal, c'est la première mission après l'entraînement. La première mission, c'est toujours la plus difficile. Faut commencer à connaître ces hommes. J'ai peur par la suite parce qu'il y aura peut-être des chars d'assaut. Ah bon? Comme dans Desert Storm. C'est une calamité. Ah ouais. Sauf que dans Desert Storm, le jeu, il est bien codé, on voit bien. Mais c'est pas pixelisé. Voilà. Bah, c'est moins fourni peut-être. Non? Ouais, aussi, il y a moins de. Bah, c'est que là, ils ont mis trop d'arbres, trop de végétation. C'est que dans le Desert Storm 1, t'es souvent dans le désert. Ah oui, ça aide. Bon bah à la revoyure pour nos nouvelles aventures et pour la troisième partie qui sera en facile. Voilà. Putain, dégage de là!